Merci d'être venu à cette nouvelle université qui illustre notre saison sur les monstres, monstres que nous aimons pour la plupart d'ailleurs. Et ce soir, c'est Étienne Dumont qui est là, sans doute beaucoup d'entre vous le connaissent. On dit que c'est l'homme, la personne la plus modifiée du monde. Son corps est entièrement tatoué. Pour ses 60 ans, il s'est exposé dans une galerie d'art pour montrer l'intégralité de son corps. C'est quelqu'un ensuite qui s'est adonné, après avoir été une espèce de Michel-Ange du tatouage sur lui-même, il s'est donné au piercing et à toutes les capacités d'intrusion d'objets dans son corps, enfin de matière dans son corps. Mais je crois qu'avant tout, avant d'être même un journaliste, avant d'être même ce qu'il n'aime pas qu'on dise une œuvre d'art vivante, il déteste ça, c'est quelqu'un de tout à fait élégant, d'insolite, et qui propose, ce qui n'est pas si courant, une approche de l'existence tout à fait inattendue, qui nous permet de rêver peut-être à quelque chose d'ailleurs dans cette société un peu fermée. Voilà Étienne Dumont. Alors, quand je vais écouter une conférence ou un exposé, et que je vois ça, je me dis c'est épouvantable, il va lire. Il va lire tout ça. Et alors, deuxième réflexe, je me dis, mais au fait, il y a combien de pages là-dedans? 1, 2, 3, 4, 10. Et puis, est-ce que, vicieusement, les pages ne seraient pas écrites des deux côtés? Pour que ce soit encore plus horrible. Alors, je vous rassure tout de suite, je vais faire comme les magiciens. Il n'y a rien de ce côté-là. Il n'y a rien de ce côté-là non plus. C'est de la déco, ça ne se sert absolument à rien. Je vais improviser, je vais parler, je vais voir comment vous réagissez. J'espère que vous allez bien réagir d'ailleurs. Et voilà. On m'a posé une question avant, on m'a dit, est-ce que vous voulez projeter des images? Est-ce que vous voulez qu'il y ait du son? Je dis, bon, le son, je vais essayer de parler en improvisant. J'espère que ce sera le plus audible possible. Il y aura peut-être quelques erreurs, il y a peut-être quelques fautes de français, la grammaire sera un peu estropiée, mais tant pis. L'image, il y en aura une. C'est comme dans Avatar, elle sera en trois dimensions, c'est moi. Du coup, vous allez avoir droit à un tout petit peu plus de l'image. Voilà. On va passer là. Et c'est là que vous allez découvrir que, comme les magiciens, je suis un tricheur. J'ai quand même ça. Parce que il faut qu'il y ait un fil. J'ai envie de ne pas oublier trop de choses qui pourraient être importantes. Et le fil sera le suivant. Le fil est un fil historique. Bon, donc, j'aurai cette année 63 ans. Il y a un certain temps que je suis dans ce qu'on appelle aujourd'hui les modifications corporelles. Je vais essayer de vous raconter décennie par décennie, à partir des événements qui me sont arrivés à moi, ce qu'a été cette scène et comment elle a évolué. Elle a évolué d'une manière absolument gigantesque. J'ai retrouvé il n'y a pas longtemps une interview d'un tatoueur américain assez important, qui a été assez important, qui s'appelle Jonathan Shaw, qui dit, on lui dit, mais comment est-ce que ça a changé votre profession? Il a dit, c'est extrêmement simple. C'est comme ce qui est arrivé à ma grand-mère. Quand ma grand-mère est née, il n'y a pas d'électricité. 2 ans avant qu'elle meure, elle a vu un homme marcher sur la Lune à la télévision. Ben, la télé-tatouage, c'est exactement la même chose. Et on va y aller comme ça par événement, en ne prenant pas trop de temps. D'ailleurs, le temps est compté, le temps c'est de l'argent. Il est là. Je suis suisse, donc c'est une montre, ça marche. Et on fera une toute petite pause peut-être au moment où on va aborder les années 90. Ce qui s'est passé entre les années 60 et les années 90, c'est plus ou moins incontestable. C'est-à-dire qu'il y a une seule voie et un seul fil. À partir des années 90, il s'est passé tant de choses, si différentes, si divergentes quelquefois, que les gens n'ont pas vu les choses de la même manière. C'est-à-dire que moi, je vous raconte les choses comme je les vois, et si c'était quelqu'un d'autre qui vous le racontait, ce serait probablement très différent. Voilà, on va commencer l'histoire. Alors, toute histoire a une préhistoire. C'est incontestable. Alors, je me suis demandé en avant, en préparant un petit peu,
ce qui était ma grotte de Lascaux, ce qui était mon alignement de Carnac, ce qui était mes aisies. Et j'ai dit, il y a bien dû y avoir un déclic. Le déclic, je l'ai retrouvé. C'est 1963. Alors, en 1963, je vais en Allemagne. J'ai 15 ans. On m'envoie en Allemagne pour me perfectionner, pour que je parle mieux l'allemand, bien entendu. Et j'habite chez des gens qui sont en banlieue. Une banlieue des années 60, c'est une chose très calme, très, très mesurée. J'y vais en tram. Et un jour, je suis dans le tram, je vois quelqu'un dans la rue, à un arrêt, qui a quelque chose là. Et c'est bleu. Et c'était un tatouage. Ça a dû durer, je pense, une quinzaine de secondes, c'était un arrêt. Et je n'ai aucun souvenir du motif, mais c'est rentré quelque part là, ça n'en est pas ressorti, mais c'est comme beaucoup de choses qui rentrent dans la tête. Quand est-ce que ça va se réanimer? On ne sait pas. Est-ce que ce sera 10 ans après, 20 ans après, ou pas du tout? Difficile à dire. Donc, je suis là. On est dans les années 60, c'est les années les plus vides. Le tatouage et la modification corporelle. Dans les années 40, il y a eu, vers 1900, tout petit peu avant, l'invention de la tatoueuse électrique, c'est la Spalding, qui existe toujours d'ailleurs, sous une forme ou sous une autre. Après ça, il y a eu des gens qui ont fait des choses un peu partout, mais il y a eu encore une petite activation, je dirais, pendant la guerre. Le patriotisme a beaucoup aidé le tatouage, toujours. On fait des bateaux, on fait des drapeaux, Enfin, ce qu'il faut faire, disons, pour montrer qu'on est un bon Français, peut-être pas, un bon Américain en tout cas. Et les années 50 ont été très intégratives. Les années début des années 60 le sont encore, c'est des rangs clairs, on veut tout le monde tout propre. Ce sont d'ailleurs les années où, on va citer une toute petite chose, c'est au regret. C'est-à-dire aux gens qui se sont tatoués dans les années 40, 50, ils vont se dire... J'étais jeune, j'étais donc bête, hein, ça lit des choses ensemble. J'avais trop bu, bien entendu. J'ai fait ça et maintenant je le regrette. Et il y a un cas assez célèbre, c'est le cas de JFK, c'est-à-dire John Fitzgerald Kennedy, qui aurait eu, je mets un gros conditionnel, un tatouage avec un bateau sur le poitrail. Et quand il a épousé Mademoiselle Bouvier, elle a dit, putain, ça me met pas tellement, est-ce qu'on pourrait pas enlever ça? Et on peut quand même, déjà à l'époque, diminuer, enlever, enfin bref, on ne voyait plus rien. Ça fait partie des légendes politiques, mais c'est une forme, une légende est une autre forme de réalité, si l'on veut. Si les gens croient quelque chose, ce qu'ils croient au moins est vrai. Et en plus de ça, dans les années 50, plutôt début des années 60, ce sont les grandes années aussi des interdictions. Alors au Japon, l'interdiction du tatouage a commencé très tôt. C'est eux donc qui avaient des dos complets, des jambes complètes. Mais quand les Européens sont arrivés, dans les années 1850-60, ça faisait un peu désordre. Ça faisait primitif. Alors qu'est-ce qu'on fait quand ça fait primitif? Bon, on interdit, évidemment. Ce qui est fait, on ne va pas cacher les gens qui ont des tatouages, mais on ne peut plus continuer. C'est un peu comme les petits pieds des Chinois, si vous voyez ce que je veux dire. Ça crée une gêne. Et... quand les Européens vont voir ça, être absolument ravis, on va quand même maintenir l'interdiction. Et, beaucoup plus tard, on est dans les années 60, à New York, qui est une ville relativement importante, on va interdire le tatouage. Pourquoi? C'est pas parce que c'est pas joli, parce que c'est pas convenable, on va dire, c'est pas hygiénique, c'est peut-être dangereux. Vous savez, quand on veut vous obliger à faire quelque chose, généralement, on fait toujours appel à votre santé. C'est mauvais pour la santé. Donc on interdit ça, ça fait quand même un gros moins. Alors qu'est-ce qui se passe quand il y a des interdictions? Vous rentrez dans la zone grise, ou plutôt dans la zone noire. Donc c'est un art qui va s'étioler, qui va devenir répétitif, pour lequel il n'y aura pas tellement de nouveaux arrivants, il n'y aura pas beaucoup de nouveaux tatoueurs qui vont émerger dans les années 60. En France, c'est autorisé, mais par exemple, le tatoueur type des années 60, c'est Bruno, qui est à Pigalle, je ne sais pas s'il existe toujours d'ailleurs, c'est un très vieux monsieur dans ce cas-là. Mais il n'y a pas véritablement de scène de la modification. Oui, de temps en temps, j'utilise mes lunettes. Hein. Il y a quand même deux choses qui vont se produire à la fin des années 60, ça m'est revenu tout à coup. Bon, la première chose, elle est évidente, c'est la contre-culture américaine.
Alors la contre-culture américaine, il y a un petit truc qui me gêne un peu dans le mot contre-culture, c'est quand on fait quelque chose contre. Quand on fait quelque chose pour, moi, je trouve ça très très bien. En fait, la contre-culture américaine, on se tatoue parce que ça va choquer les gens. C'est pas parce qu'on en a envie, c'est parce que les autres ne veulent pas. C'est un peu comme certaines personnes qui, au début des années 70, on se retrouvait dans le même plumard à 5 personnes. C'est pas parce qu'ils en ont vraiment envie, c'est parce que mes parents, vos parents ne vont pas aimer ça. Et je trouve ça un peu bizarre. Bon, on a terminé avec les années 60, quand je vous ai dit une chose, il y a un tatouage très spectaculaire et très officiel qui va apparaître dans un film qui est produit par une grande compagnie, qui est la 20th Century Fox, c'est Modesty Blaise, parce que Modesty Blaise, l'espionne, elle est tatouée, elle a quelque chose sur la jambe, elle le montre à l'adversaire, et l'adversaire fait « Oh !» et du coup, elle fait « Voilà. C'était Modesty Blaise, c'était donc Monica Vitti à l'écran, c'est en 68. Alors pour moi, c'est dans une période d'endormissement total. Je ne fais rien. Et on en arrive comme ça à 1971-1972. Je travaille à la Cinémathèque suisse à Lausanne. Bon, dire que je suis payé est une autre chose, je ne touche aucun salaire, je suis bénévole. Je classe les photographies en essayant d'identifier les acteurs. Et une salle à côté de moi, il y a un type qui enroule des films comme ça, qui est très jeune, qui s'appelle Nico, enfin on l'appelle Nico en tout cas, et il remonte ses manches de temps en temps, et il y a un dragon là, et il y a un dragon là. Et ces deux dragons étaient faits à Londres. Bon, alors là, pour moi, c'est une sorte de révélation. C'est quelqu'un avec qui j'entrerai relativement peu en contact. Il n'est pas bavard, il est taiseux, comme on dit en mauvaise littérature. Autrement dit, c'était la plupart du temps, mais je sais qu'il a fait ça, je sais qu'il l'a fait à Londres, et si ça a été fait, ça a bien dû être fait par quelqu'un. Donc, à ce moment-là, je commence à voir des photos aussi, on commence à voir des gens de la contre-culture américaine, il y a une très très célèbre photo d'Irving Penn, qui vaut très cher maintenant, j'en ai bien exemplaire, il me semble, Paris Photo, qui présente des bikers américains, qui sont plus ou moins déshabillés, et il y a quelques-uns des premiers tatouages faits par des nouvelles gens aux États-Unis. Ce ne sont pas les vieux de la vieille qui font ça, ce sont des gens qui font ça un peu chez eux, en tout cas pas dans un studio. Par contre, en Angleterre, où le tatouage vient d'être interdit aux moins de 18 ans, il y a une nouvelle génération de gens qui apparaissent. Alors j'ai essayé de vous retrouver les noms. Les noms, ils sont sur l'autre feuille. Alors, il y a quelqu'un qui s'appelle Jan de Redding. C'est pas mal ce qu'il produit. Il y a quelqu'un qui s'appelle George Bone, qui existe encore. Il y a quelqu'un qui s'appelle Denis Coquel, à qui j'ai une fois rendu visite. Il a un tout petit studio à l'étage, à Soho, au milieu, à Londres, donc, en plein Londres. Et petit à petit, ils font des choses un peu nouvelles, un peu traditionnelles, un peu japonaises, mais c'est du japonais revu et corrigé. Il y a donc quelques salons, ils sont très discrets. Ils ne sont pas dans le bouton de téléphone. Vous voyez, je remets la boucle d'oreille de temps en temps. Ça, voilà, je crois qu'on est reparti pour un tour. Il y a quelques salons très discrets, on ne les trouve pas dans le bouton de téléphone, donc les adresses se communiquent. Alors en gros, on dit, j'aimerais bien un truc là, il connaît un nom. C'était un tout petit peu comme aller chez un avorteur en France avant Simone Veil. Si ce n'est que c'est légal, mais pas tout à fait légal, enfin, c'est pas très bien. Il y a aussi une chose qui s'est passée dans les années 70, où je fais donc moi rien du tout. Ça se passe à Houston, donc au Texas. Il y a des gens qui se réunissent. C'est la première convention de tatoueurs. Il n'y en a jamais eu jusque-là. Donc ce sont des gens qui sont soit intéressés à se faire quelque chose, soit à montrer ce qu'ils se sont fait faire, et bien entendu, il y a un certain nombre de tatoueurs. Alors c'est appelé à avoir une résonance énorme, puisque maintenant il n'y a pratiquement plus de ville où il n'y a pas de convention, il y en a une à Paris, il y en a même deux, ça fait erreur à Paris. Il y en a en Allemagne, c'est absolument terrifiant, il n'y a pas de petite ville allemande où il n'y en a pas une, en Suisse il doit y en avoir une bonne dizaine en tout cas, toutes se targuant bien entendu d'être la meilleure.
Donc, ça a lieu, mais en Europe, on n'en sait strictement rien. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de revue parlant de tatouage. Internet n'existe pas, bien entendu. C'est rien. Et il y a, par contre, une chose que les gens voient. Ce sont des films qui sont tournés par quelqu'un de pas respectable, mais de respecté dans la mesure où ça vaut cher. C'est les films que tourne Andy Warhol. Il y a un acteur qui s'appelle Joe D'Alessandro, qui porte, je crois que c'est là, je sens que c'est à droite, un gros tatouage très simple, qui est simplement une ligne, et en dessous il y a son nom Joe. Il est apparu dans 3 films que je cherche à voir, ce qui est difficile parce qu'ils sont censurés dans la ville où je vis, qui est donc Genève en Suisse. L'un s'appelle Flèche, c'était bien trouvé. Le deuxième s'appelle Trash, bon. Et le troisième s'appelle Heat. Avec 3 noms pareils, il y a quand même de quoi inciter les gens à un peu de réflexion. Bon, pour le moment, c'est pour moi encore une période de latence. J'ai beau avoir vu, il ne se passe rien. 1979, là, j'ai commencé à travailler. Je suis déjà journaliste depuis 5 ans. Je lis la presse concurrente, fatalement. Je tombe sur un hebdomadaire assez bas de gamme, qui existe toujours, qui s'appelle l'Illustré. Je tourne comme ça les pages. Et tout à coup, je vois un reportage sur le premier salon de tatouage à Lausanne. Et alors, qui s'occupe du premier salon de tatouage à Lausanne? Vous avez compris, c'est le type avec qui j'ai travaillé à la Cinémathèque Suisse. Il s'est associé avec quelqu'un qui est un ancien mécanicien de précision. Ça, c'est plutôt rassurant. Parce que il y a 2 choses dans le tatouage, et ça il faut le comprendre assez vite. Il y a l'art, et puis il y a la technique. Vous pouvez être un très très bon artiste, c'est très joli les premières années, ça vieillit pas bien. Vous pouvez être un très bon technicien par contre, et avoir aucune espèce de don, mais vous verrez que pour le moment c'est pas encore très important. Donc je lis ça, je vais voir ça, et puis déjà depuis quelques années, j'ai fait quelques petits points pour voir ce que ça donne. Des petits points un peu tenus quand même malgré tout. Donc c'est pas du petit point comme la broderie, mais il y a un peu de ça quand même malgré tout. Et maintenant, il faut que je trouve où est ce salon, ce qui n'est pas indiqué. C'est pas dans le bouton de téléphone. Je vais trouver et je vais pouvoir... J'ai 2 excuses. Un, je connais la personne, donc on peut dire qu'on renoue. Et ensuite de ça, je lui demande de le recouvrir. Parce que dans le tatouage, on peut enlever. Mais enfin, on peut surtout recouvrir. Si le motif est moche, on en met un autre par-dessus. Alors, je découpe son premier studio et au mur, c'est des choses comme ça. Oui, ça sert à quelque chose. C'est des grandes feuilles qui sont collées sur les murs. Alors, ça s'appelle des flashs, comme le flash. C'est donc des éclairs. On choisit un peu comme dans une pâtisserie. On dit ça j'aimerais bien. C'est un dragon, mais j'aimerais un peu plus petit. Les ailes vertes, je les aimerais bien en bleu. Alors on peut un peu aménager. Donc, on va faire mon premier tatouage. C'est un modèle japonais revu et un peu corrigé. C'est Nico, donc ce monsieur qui va le faire. Nous sommes en 1981, c'est donc l'année de l'accession au pouvoir de Mitterrand, les deux choses ne sont pas liées. Et ça se passe sur un fauteuil, je découvre, je me dis, est-ce que ça va faire mal? Ben oui, ça fait un peu mal. C'est mon bras droit. Je crois à l'époque d'ailleurs que toutes les parties du corps procurent la même douleur, ce que je... C'est une grosse erreur, mais ça, je le découvrirai plus tard. Donc, je sors, il n'y a que du noir et blanc, donc je sais que ça va cicatriser très rapidement. Effectivement, 4-5 jours après, peau de bébé, ou à peu près, fesse de bébé, je dirais même, c'est lisse. Et puis, je rentre dans une nouvelle période de latence, 2 ans, alors que les salons commencent à se multiplier. Il en ouvre un ici, il en ouvre un là. Il y a des conventions qui arrivent, en Suisse aussi. Et Lausanne, alors là c'est vraiment le hasard cosmique, je dirais, est en train de devenir une capitale du tatouage. Il y a une convention qui est importante. Je vais y aller. Il y en a une à Genève aussi. Et là je découvre une chose
qui me surprend beaucoup. C'est-à-dire que je pensais très naïvement que tous les tatoueurs étaient égaux, comme tous les hommes sont égaux dans la Bible. Eh bien non, ils ne sont pas égaux. Il y a des gens plus connus que d'autres, plus réputés, plus recherchés. Et là, je fais la connaissance, très peu en fait, d'un cas d'école type. Il y a un monsieur qui a un stand absolument baroque, avec des vrais crânes humains, enfin supposés vrais en tout cas, des branches d'arbres, des cornes d'animaux, qui s'appelle Félix Leu. Il vient de Goa. Donc, vous voyez, le trip complet, les cheveux qui descendent jusque-là. Et il est déjà assez connu. Et se promène de convention en convention, avec un petit garçon qui a 6 ans, 7 ans, je dirais à l'époque, qui est son fils, enfin l'un de ses fils, et qui a déjà une petite machine à la main. Et il le promène exactement comme un certain monsieur Moser promenait le petit Wolfgang Amédée, en disant, vous verrez, plus tard, ce sera un génie, ce sera le génie du tatouage. Et le plus extraordinaire, c'est que c'est arrivé. Et maintenant, il se la joue au maximum. C'est-à-dire qu'à l'époque, je sens que je digresse un peu, mais ce n'est pas grave, pour lui, ce n'est pas un salon qu'il faut, c'est une assaise qu'il recherche. C'est-à-dire qu'il n'a pas de numéro de téléphone, il n'a pas de fax. Le fax, à l'époque, c'est la modernité totale. Et il faut les taper à sa porte, qui est quasiment introuvable, et peut-être qu'éventuellement, on sera accepté. Eh bien, le fils, Philippe, qui a eu un salon, qui a eu un maximum d'articles, maintenant il s'est retiré à la montagne, il est devenu à peu près, c'est le vieux de la montagne, il est devenu à peu près aussi inaccessible que son père. Voilà, donc là on est dans les années 70, la fin, les années 80, donc il commence, 81, 83, je passe à quelque chose d'autre dans le dos. C'est pas lui, c'est pas le monsieur des deux dragons qui va me le faire, c'est son collègue. Entre-temps, le monsieur des deux dragons est mort. Ben, c'est des choses qui arrivent, il a très très mal terminé, ce qui dans le milieu arrive quand même de temps en temps. Et c'est l'autre qui a repris en disant, ben voilà, si vous voulez, on peut continuer avec moi. Et je dis, pourquoi pas? Alors il y a 83 quelque chose, après c'est une petite période de latence de nouveau, et puis il y a 85. 85, écoutez, on a fait un truc là, on a fait un truc là. Il y a un truc, il y a quelque chose qui me dérange, c'est qu'en fait, là c'est noir et là c'est blanc. Là c'est noir et là c'est blanc. J'éprouve un certain besoin de symétrie. Et je me rends compte que beaucoup de gens finalement font ce genre de calcul. Les gens qui acceptent d'avoir tout un bras tatoué et rien de l'autre côté sont finalement relativement rares. On n'est pas tout à fait sorti des jardins de Versailles. Il faut une... ce qui est à gauche doit exister aussi un peu à droite. Alors, il m'a dit, bon, ben d'accord, on va continuer. Et on continue avec des motifs qui sont des flashs, donc toujours. Mais il me dit, vous savez, en fait, je sais quand même à peu près dessiner, on pourrait quand même combiner des choses pour vous. Je dis, c'est intéressant, ça, c'est vraiment intéressant. Et petit à petit, effectivement, on me fait des choses qui... Pour moi, en fait, j'ai passé du prêt-à-porter à la couture. Et en plus, on s'entend bien. Et quand je dis on s'entend bien, c'est important, parce qu'il faut s'entendre avec son tatoueur. Alors, il y a deux manières de ne pas s'entendre. La première, c'est que vous avez quelqu'un qui vous parle tout le temps. Alors, vous dites, ah, j'ai mal. Et qui ne vous écoute pas. Et il y a la personne qui est totalement silencieuse, qui est dans son affaire à lui. Alors là, on est arrivé à une sorte de voie médiane qui était finalement très agréable, puisque nous avons commencé ensemble en 83, c'est le premier dragon, et que nous avons terminé fin 2004. Donc sur 21 ans, mais avec des années fastes et des années un peu plus restreintes. Donc dans les années 80, on se lance, et en 85, c'est l'année idéale pour se lancer. Il se passe deux choses. En 85-86, je ne le sais pas, bien entendu, puisqu'il n'y a rien. La première chose, c'est qu'il y a une Américaine qui s'appelle Sandy Feldman, que tout le monde a oublié d'ailleurs, qui est en train de courir au Japon.
Elle le fait depuis 1982. Elle recherche des Japonais entièrement tatoués, donc qui vivent dans une sorte de clandestinité. Et c'est des gens qui ne peuvent pas aller dans une piscine, par exemple. Et elle leur dit, écoutez, j'aimerais faire votre portrait. Et en plus, votre portrait, je vais le faire à la grande chambre. Parce qu'elle est payée par Polaroid. Polaroid a donc une grande chambre Polaroid, c'est un appareil qui est au moins comme ça. Donc il faut persuader des gens qui sont un peu dans la clandestinité, qui sont même beaucoup dans la clandestinité, puisque certains font partie de ce qu'on appelle les yakuza, c'est-à-dire de la mafia japonaise. D'ailleurs maintenant, quand on dit yakuza, la première chose que les gens imaginent, c'est un tatouage. Et son livre sort, il sort précisément en 86. Le livre n'est pas extraordinaire, les photos sont un peu jaunes, je m'excuse de faire ce racisme primaire, mais la grande chambre a tendance à tirer un tout petit peu jaunâtre, donc ça déforme un peu les couleurs. Mais je l'ai, ce livre. C'est un hasard. Et le deuxième hasard, c'est qu'en 86 ou en 87, je ne sais pas, sort le premier magazine américain qui s'appelle Tattoo Magazine, qui est un mensuel. Alors, quand je dis je ne sais pas, j'ai retrouvé le numéro qui fête les 10 ans. Alors, le numéro qui fête les 10 ans est daté de 97, puisque je suis suisse, donc de 97, et il annonce que le premier numéro apparu en 86. Alors, il y a un problème. Alors, soit c'est le premier numéro de l'édition américaine qui est apparu en 86 et le premier numéro de l'édition française en 87, soit ils se sont broutés. Mais ça va être très important, Tattoo Magazine. C'est mauvais, c'est très mauvais hein, comme magazine. C'est une émanation d'un magazine qui est fait par, ou plutôt pour, des motards américains. Donc, dans le magazine d'origine, il y a des gros motards qui sont sur une moto, puis il y a des filles qui ont des seins comme ça et un cul comme ça, et qui sont posées à l'arrière de la moto. Et parce qu'à l'époque, ce sont des choses qui, dans l'imaginaire et probablement la réalité américaine, sont irrémédiablement associées. Il y a le moteur d'un côté et le tatouage de l'autre. Et j'ai retrouvé une interview, que je trouve bien d'ailleurs, d'un type qui a un peu disparu de la scène, qui s'appelle Crazy Ace. Et il disait, quand j'ai commencé, j'avais 99% de motards et 1% d'égarés de temps en temps. Et puis 10 ans après, il disait, ben voilà, j'ai augmenté mes prix, je travaille pour un public différent, j'ai maintenant environ 90-95% d'hommes d'affaires, d'avocats, puis il y a de temps en temps ou de motards fidèles ou un peu égarés. Ça donne une idée de ce qui s'est passé entre 85 et 95 à peu près. Alors, ce magazine va faire des émules. Il y aura des magazines français, il y en a toujours un qui existe, et qui est Tatouage Magazine. Il y aura des magazines allemands. Alors là, il faut attendre le milieu des années 90 pour qu'il se passe quelque chose de vraiment important de ce côté-là, sur la scène allemande, parce qu'il faudra la réunification qui unira, comme toute réunification, une scène ouest-allemande, qui est une scène normale, et une scène un peu underground, qui est la scène est-allemande. Et en même temps, ça leur fera une base de public absolument énorme. Et je pense, je ne veux pas faire de publicité pour qui que ce soit, mais que Tätowier Magazine est peut-être le magazine à l'heure actuelle le plus important. Il s'est aussi beaucoup intéressé à une chose sur laquelle il faut revenir, qui est l'ethnographie. Parce jusqu'à présent, vous avez remarqué, on a quelque chose de tout à fait traditionnel, et on a du japonais qui a cessé d'être du faux japonais, ou du japonisme, comme on dirait, on aurait dit vers 1890, pour devenir donc du japonais à part entière, mais on n'a rien d'autre. Il faudra très longtemps, c'est-à-dire que c'est un peu comme il aura fallu des années, des décennies pour que ce que les gens voient dans les musées d'ethnographie arrive dans les musées tout court, en gros, que le musée de l'homme arrive au musée du Quai Branly, mais il y aura le même problème que le tatouage. Alors j'ai fait un peu de recherche, c'est d'avant qu'il y aura la petite pause, non pas pipi, mes questions. L'effet, donc, il y a aussi un autre livre qui va paraître, tiens, j'ai oublié celui-là. C'est le livre d'un Allemand qui travaille en Angleterre, qui s'appelle
Lily s'appelle tout bêtement Tattoo, mais le type s'appelle Stefan Richter et va montrer les premiers gros tatouages avec des corps presque complets faits sur des Anglais. Donc, quelque part, ça rapproche. Le livre sort en 86. Ça rapproche parce que quand on voit un livre plein de Japonais, si respectables soient-ils, même s'ils sont yakuza, vous dites, c'est quand même pas chez moi, c'est pas la porte d'à côté. Peut-être que quand vous voyez des Anglais, vous dites, ben, c'est tout proche. Et ce sont des Anglais qui ont quelquefois les premiers piercings. Là, généralement. Alors, généralement, il y a une boucle d'oreille. Deux, c'est vraiment l'audace, mais fantastique. Alors, si vous êtes gay, c'est à droite. Si vous êtes straight, c'est à gauche. On espère que les gens distinguent de loin. Voilà, ça c'est où on en est à peu près dans les années 80, fin des années 80. Donc on n'a pas encore tout à fait rejoint la Polynésie, on n'a pas encore rejoint les îles Marquises. Ça, on peut dire que c'est 90. Alors maintenant, il y a 40 minutes que je parle. S'il y a des gens qui ont des premières questions, parce que c'est très ennuyeux d'attendre une heure, en plus que je suis bavard en plus, un peu plus d'une heure, pour pouvoir dire quelque chose. Est-ce que vous voudriez savoir quelque chose que je n'aurais pas dit qui se passerait avant 1990 ? Que les plus courageux lèvent la main. Il y a des micros ? Il y a des micros. Alors, vous levez la main et Julie apportera le micro. Il n'y a que la première question qui compte. Non, vous disiez que le tatouage en Angleterre était interdit jusqu'à... Au moins 18 ans. Parce que je me suis fait faire mon premier tatouage en Angleterre, et j'avais 14 ans à l'époque, en 78. Mais dis donc. Bon, mais il y a eu un Tattoo Act à un certain moment. Voilà, mais à l'heure actuelle, j'entends, on peut admettre aussi que théoriquement, il y a des salons où on vous demandera d'avoir 18 ans. Il y en a d'autres où on vous demandera une autorisation parentale avec venue des parents, papa, maman à côté, ou bien simplement quelque chose qui pourrait être signé par papa et maman. Il y a des gens plus exigeants que d'autres. Il y a aussi des pharmaciens qui vendent plus facilement certains médicaments que d'autres. Voilà. Y a-t-il une autre question ? Moi, je suis en pleine lumière, hein, j'entends c'est Hollywood, mais je vous vois extrêmement mal. Je me rappelle d'un livre sur les tatouages dans les goulags. Est-ce qu'il a joué un rôle? Oui, mais on est encore dans les années 80. C'était plus tard, hein. C'était après? Bah, il faut qu'il ferme, les goulags. disons que n'oubliez pas, c'est 89, c'est la grande date. Je me souviens très bien, parce que c'était l'édition ces jours-là. C'est décembre 89, c'est la chute du mur, ce qui suit. Pour la Russie, il faut quand même compter 91 pour que les choses bougent vraiment. Les livres, peut-être, il y a eu des choses dans les revues, mais c'est le début des années 90. Avant, il n'y a vraiment pas grand-chose qui sort, puisque même, on a toujours l'impression que tout est très ancien. Mais maintenant, il n'y a pas d'autres questions apparemment. Je vais y repasser aux années 90. Il se passe quelque chose en 92 aussi pour moi, c'est personnel. J'ai le droit d'avoir des événements personnels comme tout le monde. En 92, je commence un boulot qui ne m'intéresse pas du tout dans le journalisme. Je suis directeur artistique. Je choisis les photos. C'est en gros, je me bats contre des tas de gens. Je travaille 5 jours par semaine et j'ai besoin d'une compensation. Alors, la compensation, ça va être de faire une séance par semaine. Toujours avec la même personne et on va faire le samedi. On a déjà fait pas mal de choses dans les années 80 et je me rends aussi compte d'une chose qui m'est plus ou moins restituée par les magazines que je lis, c'est qu'on a changé d'échelle. Dans les années 80, on parle encore de faire un tatouage, peu importe qu'il soit sur l'aile ou sur la cuisse, comme dirait Louis de Funès, c'est un. Mais à partir du début des années 90, on va quand même commencer à parler d'un membre. Vous rencontrez des gens qui disent
Ouais, alors maintenant, je me fais un bras. Je me fais une jambe. Bon. En clair, ça suppose une certaine planification. Toutes les jambes et tous les bras ne se ressemblent pas, ils ne sont pas tous de la même largeur, pas ni tous de la même longueur d'ailleurs. Donc, ça suppose une collaboration plus intime, je dirais, avec le tatoueur. Et les revues y aident énormément, parce qu'on commence à voir donc des bras, surtout des bras d'ailleurs, en japonais, et tout à coup on commence à voir des trucs un peu tout noirs. Alors on vous dit, c'est quoi, vous dites, c'est quoi ce noir? On vous dit, c'est tribal. Ah bon? Alors pour le moment, le tribal, c'est un peu incertain. C'est un peu tout ce qui est noir. Alors, il y a des pieuvres qui sont un peu dans tous les sens, mais ce n'est pas très précis. C'est que petit à petit, les gens qui se mettent là-dedans, il y a quelqu'un qui joue un rôle très important qui s'appelle Léo Zulueta. Je ne sais pas du tout ce qu'il est devenu. Il y a un Anglais qui s'appelle Bugs, qui se sert de son corps finalement comme d'un bouc, parce que c'est aussi la chose qui est importante, c'est que jusqu'à présent je vous ai dit qu'il y a des flashs au mur. Eh bien petit à petit, les tatoueurs vont commencer à avoir un bouc, comme les top modèles. C'est en gros, consultez là, puis dites, ah ça on se rapproche de choses qui m'intéresseraient. Mais ça ne veut pas dire « je vais faire la même chose ». Je vais faire quelque chose qui sera dans le goût de, je vais faire quelque chose qui ressemblera à. C'est quand même assez fondamentalement différent. Et donc Bugs fait son corps symétrique en noir et lui commence à se rapprocher de plus en plus de ce qui est néo-zélandais, maori ou marquisien. Donc chacune de ces îles ayant une tradition différente, et une tradition qui est presque toujours interrompue. Pourquoi est-elle interrompue? Ben parce qu'il y a les missionnaires qui ont passé par là. Alors peu importe que les missionnaires soient catholiques, peu importe que les missionnaires soient protestants, ils n'aiment pas. Donc il ne faut pas. Donc il faut arrêter, et on a arrêté pendant 2 générations, 3 générations, 4 générations. Je pense qu'un des derniers grand tatouage qui se soit fait, il a d'ailleurs été cinématographié, comme on dit maintenant, c'est celui qui est dans Moana de Flaherty, le film date de 1926. Alors, qu'est-ce qui va-t-il se passer? Il y a des gens qui vont faire des choses noires en Europe, et il y aura un témoignage très étonnant de quelqu'un qui pratique à Tahiti et qui déclare, eh bien, le premier tatouage corporel complet que j'ai vu, c'est sur un Allemand, qui s'appelle Mario, et pour moi, ça a été un effet de boomerang absolument extraordinaire. C'est-à-dire, ben voilà, on peut y aller. Alors, ils y sont allés, entendons-nous, ils y sont allés généralement avec toujours la même spalding, donc avec une machine, alors que théoriquement, ça se fait avec un peigne, donc un gros peigne, des petits marteaux, tac, 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 et ça fait, paraît-il, très mal. Ça saigne beaucoup, en tout cas. Donc, on est dans le semi-traditionnel pour le moment. Et puis, alors, il y a d'autres styles qui vont apparaître dans les années 90. Et le biomécanique, par exemple, que tout le monde a oublié. Le biomécanique, ça venait d'un type qui s'appelle H.R. Giger, qui est suisse d'ailleurs, comme moi, et qui est grison, et qui a fait les décors et le personnage, le protagoniste d'un film qui s'appelait Alien. Donc les gens se sont transformés en aliens, selon nos dires, pendant une dizaine d'années à peu près. Et puis il y a bien entendu des gens qui ont continué à faire de l'hyper-réaliste. C'est-à-dire en gros du portrait, votre petite copine, votre petit copain, vos Marilyn Monroe. Marilyn Monroe en a fait beaucoup, des bonnes, des moins bonnes. Et aussi des objets. Et quelquefois, le pop art est arrivé par là. On a vu par exemple, même, c'est un Allemand qui faisait ça, des produits alimentaires, les préféré des gens, la bouteille de verre de Beer Jägermeister, certes les cornflakes, tout a passé dans une forme d'hyper-réalisme. Donc ça, ce sont des styles, et qui va produire ça? Est-ce que ce sont les gens, vous pensez, qui travaillaient dans les années 60 ou 70? Non, bien entendu. C'est une nouvelle génération. La nouvelle génération, elle provient de milieux assez différents. C'est-à-dire que ce ne sont pas les gens qui ont été formés à la dure, en
marchant quasiment sur le sol du studio, en balayant le studio. Ce sont souvent des gens qui vont venir des écoles d'art et qui se disent finalement, faire quelque chose de tridimensionnel sur quelqu'un, de durable, c'est peut-être plus intéressant. Alors, reste à savoir s'ils auront, comme le monsieur à qui je travaille, la technique du mécanicien de précision. Ce n'est pas toujours le cas, mais rassurez-vous, on fait des progrès dans la vie pour tout. Hein. Maintenant, c'est nettement meilleur, ce qui n'empêche pas qu'il existe encore à l'heure actuelle de très, très mauvais tatoueurs. D'ailleurs, Tetovir Magazine parle du scratcher du mois. Ça s'appelle « Die Gurke des Monats », la merde du mois. Et c'est là où on punaise chaque mois le tatouage le plus laid qu'envoie un de leurs lecteurs, pour essayer de faire progresser un peu tout ça. Mais progrès, ça ne veut pas dire uniquement artistique, ni technique. Il faut aussi qu'il y ait un minimum d'hygiène. Au départ, moi, je n'ai pas connu l'époque où les gens crachaient comme ça, dans l'eau, pour diluer comme ça, les aiguilles. Mais, quand j'ai commencé, un tatoueur était un monsieur qui fabriquait ses propres couleurs. C'était un monsieur qui avait ses propres aiguilles. Et c'était quelqu'un qui était capable de réparer sa propre machine, machine qu'on ne pouvait pas trouver sur Internet, puisqu'il n'y avait pas d'Internet. Et quand j'ai commencé, j'ai eu beaucoup de chance, c'est déjà quelqu'un qui avait un autoclave, donc quelqu'un qui stérilisait. Mais tous les tatoueurs ne stérilisaient pas. Et un jour, j'ai vu le monsieur qui se travaillait arriver avec un petit sachet de plastique et dire « À partir de maintenant, j'ai des gants de chirurgien. » Je dis « Bon, pourquoi ?» Il me dit « Parce que pour la stérilité, c'est quand même mieux, c'est quand même plus correct. » Mais avant ça, les, je pense 88-90, les gants de chirurgien, on n'en voyait pas beaucoup. Donc là, il y a eu un gros progrès de ce côté-là. Et ce progrès aussi, c'est inclus, vous avez remarqué, jusqu'à présent, on ne parle que de tatouage. Hein. Dans la scène naissante du piercing. Alors, le piercing, on imagine maintenant, on associe beaucoup les deux choses. D'ailleurs, là, je suis là pour parler des deux. Mais dans les années 80, disons, 1990, j'ai très envie de dire 1990, hein, pour faire canadien ou suisse. Ce sont deux scènes différentes. Ce sont deux scènes, pour tout dire, un peu antagonistes. Hein. Les tatoueurs disent, nous, on fait de l'art. Ceux qui vont chez les gens qui font du piercing, c'est des freaks, en clair, des monstres. Et puis, petit à petit, les choses se sont rapprochées quand même. Et le piercing a connu, mais il faut encore attendre quelques années, un développement fantastique, comme un certain type de tatouage pour la petite chose. C'est-à-dire, en clair, les scènes se sont rapprochées, elles se sont divisées entre un high, hein, il faut toujours parler anglais, c'est plus chic, et un low. High, c'est là, low, c'est là. La différence, ça va être entre les gens qui font un petit dauphin, ou un petit tribal là, pour les filles, et les gens qui vont aller plus loin. C'est de faire des choses plus personnelles, plus importantes, devenir en clair des clients plus ou moins réguliers. Alors, ça c'est pour le tatouage, c'est donc un petit et un grand. Et pour le piercing, c'est le petit anneau au nombril, le petit anneau là, le petit anneau là. C'est le courant. Alors, c'est ce qui se fait. Et alors, il y a d'autres gens qui vont passer à des choses plus importantes. À partir du, je dirais, du milieu des années 90, on va commencer à stretcher, par exemple. Jusque-là, moi j'ai fait comme tout le monde, hein, de ce côté-là. J'avais au moins 6 anneaux. Mais je n'aurais jamais eu l'idée d'avoir un seul trou et de passer à l'anneau plus gros. Parce qu'on n'avait pas l'idée. Il n'y avait pas le matériel. Il n'y avait rien qui existait dans les salons. Et de toute façon, les salons, il y en avait extrêmement peu. Alors, donc, je suis toujours dans les années 90, ça avance, Dieu merci. Je me rends compte aussi que ça va prendre beaucoup de temps, que la douleur est très injuste, c'est-à-dire que à gauche ça se passe bien, à droite ça se passe mal,
Je ne sais pas si c'est comme ça pour le jardin à la Versailles, si ce qu'on arrose à gauche est plus facile que ce qu'on arrose à droite. Donc on se dit, chaque fois qu'on passait à droite, je dis, oulala, ça va être très, un moment dur à passer. Et puis il y a une autre chose qui commence à se développer. Il y a un autre problème qui se pose, c'est celui de la visibilité. En gros, les gens au départ qui font un tatouage veulent que ce soit relativement discret. Alors là, généralement, ils tombent mal, ils font quelque chose au bras. Le bras, c'est pas ce qu'il y a de plus discret. Hein. Vous pouvez vous faire un dos complet, il y a très peu de gens qui le verront. Moi, bon, il y a la plage l'été, mais de toute façon, vous avez un dos complet, la plage, c'est déconseillé. Si vous faites là, vous jouez en fait tout le temps avec le visible, non visible. Mais le visible ou non visible est provisoire. Alors moi, tout à coup, je me rends compte, on arrive là, on en est franchement là. Je vais passer au visible permanent. Alors ça, c'est le grand pas, c'est le grand saut. Alors autour de moi, il y a un grand débat, qui est un débat qu'on retrouve dans toutes les revues d'ailleurs. Est-ce qu'on a le droit, est-ce qu'on peut ? Alors il y a des tatoueurs qu'on interview dans Tête of Gear Magazine, qui est donc apparu en 1995, dans Tattoo aussi, dans les revues françaises. Il y a des tatoueurs qui déclarent gravement, moi le cou, les mains, le visage, jamais, je ne fais pas. C'est trop grave, ça entrave l'activité professionnelle future de la personne. Alors quand vous avez lu ça pendant un certain nombre de fois, vous vous demandez donc, si je fais ça, qu'est-ce qui va m'arriver ? Vous avez un peu l'impression, en sortant du studio, c'était la première chose, c'était sur la main gauche. En sortant du studio, je me suis dit, est-ce que le pied, il va me tomber quelque chose sur la tête, à peu près comme le piano tombe sur la tête de la souris dans un dessin animé de Tex Avery. Bon, il ne s'est rien passé. Professionnellement, il ne s'est rien passé non plus, parce que je pense au fait, et ça les gens n'y pensent pas, je ne suis pas devenu comme je suis du jour au lendemain. Donc, moi j'ai eu le temps de m'habituer, et les gens autour de moi aussi ont eu ce temps-là. Donc, les gens, mes collègues m'ont dit, on se disait bien que vous iriez une fois jusque-là. Et puis après ça, ça a été encore quelque chose. Et puis après ça, le jeu change, et les gens se penchent vers vous en disant, alors le prochain c'est quoi? Donc on se rend compte que finalement, il se passe des choses relativement imprévues. Alors, j'ai commencé donc les tatouages, on a continué. Les piercings, on a commencé sérieusement. Et il s'est passé avec les piercings exactement la même chose qu'avec les tatouages au début. Avoir une bonne adresse de perceur, c'était pas facile à trouver. C'était pas dans le bouton de téléphone. Il fallait connaître. Alors, j'ai commencé à Londres. C'était plus facile. Il y a une chose qui s'appelait métamorphosis. Il y avait la reproduction d'un anneau qui pourrait tout aussi bien être sur un sexe masculin que sur une oreille, qui était tellement énorme, c'était vraiment une énorme enseigne à l'ancienne. Et ça, je ne pouvais pas la manquer. Je n'ai donc pas manqué. Et là, il y a des gens assez sympathiques d'ailleurs, mais qui faisaient ce que j'appellerais aujourd'hui de l'abattage. Un client tous les quarts d'heure. Parce qu'il y a des gens qui venaient de toute l'Europe. Et puis alors ça, j'ai trouvé des gens à Paris. Après ça, j'ai trouvé des gens à Genève, où je vis. Et après ça, on va arriver à la nouvelle coïncidence astrale. Ça va être les implants. Je suppose que vous avez remarqué qu'il y a. Vous avez remarqué ? Bon. Vous avez remarqué aussi ? Bon, c'est bon. Il va se passer quelque chose. Un jour, on va me proposer d'interviewer quelqu'un. Et cette personne s'appelle Lucas Pira. Et je sais qu'il fait une modification corporelle. Je le sais. Parce que certaines revues ont commencé à en parler. Je suis nul sur Internet, à l'époque en tout cas, mais il paraît que sur certains sites qui étaient à l'époque moins pudibonds que maintenant, on voyait des choses. Et donc je sais que Lucas Pira est un disciple d'un monsieur qui s'appelle Steve Haworth. Ça s'écrit comme Rita Haworth, mais il manque le Y. Il est de Phoenix, donc dans l'Arizona. Ce type a comme signe particulier d'avoir des parents qui fabriquaient des instruments chirurgicaux. Une petite entreprise qui a connu la crise, contrairement à d'autres,
Et il était passionné par ça, il s'est rendu compte qu'on peut faire autre chose que du piercing, et qu'on pouvait peut-être mettre des choses sous la peau en réalisant des petites opérations, plus ou moins discrètes, plus ou moins grises, plus ou moins clandestines, vous voyez ce que je veux dire, surtout aux États-Unis où on est quand même assez on se retrouve assez facilement devant la justice aux États-Unis, plus qu'ici. Donc Lucas était un de ses disciples. Alors j'ai fait l'interview, hein, je ne sais pas pourquoi c'est tombé sur moi, comme par hasard. Et on a plus ou moins sympathisé. Il a dit, c'est bien parce que je viens de temps en temps dans un studio à Genève, nouveau. Je dis, est-ce que je pourrais avoir l'adresse? Et puis il a dit, ah, c'est en face de chez moi. Et effectivement, ce studio qui ouvrait, je le vois exactement comme je vous vois. Je vois l'entrée du studio depuis la fenêtre de chez moi. Ça change complètement la donne. C'est-à-dire qu'en gros, c'est pratiquement comme si ça se passait chez vous. Donc je me suis dit, après les piercings, et là, les piercings qu'on a donc commencé déjà à stretcher, mais un peu. Et là, je m'étais rendu compte que j'ai... Oui, je commence à sauter un peu du coq à l'âne. Voilà, là. Hein? On a commencé à stretcher, c'est-à-dire en clair, à mettre une chose un peu grande, puis un peu plus grande, puis encore un peu plus grande. Et je me suis rendu compte à un certain moment que je commençais à buter sur un mur. Pourquoi? Quel était ce mur? Le mur, il est extrêmement simple. C'est-à-dire, il n'y a pas tellement de surmesure dans le piercing. On est éternellement dans le domaine du prêt-à-porter, j'irais même jusqu'à dire de la confection, voire même de la basse confection, puisque s'il y a une haute couture, il peut bien y avoir une basse confection. Et que les choses dont j'avais besoin pour aller plus loin n'existaient pas. Donc il fallait que je trouve des artisans à même de me fabriquer des choses. Artisans extrêmement difficiles à trouver, encore plus à contacter, d'autant plus qu'il y avait un véritable secret. C'est-à-dire que je ne pouvais jamais rencontrer la personne elle-même, il y avait toujours un intermédiaire qui était le perceur. Écoutez, on connaît des gens qui fabriquent ça à Bordeaux, ou dans les îles du Pacifique, ou au Mexique, et qui nous apporteront ce truc dont vous avez besoin. Il fallait attendre très longtemps, mais quand même, vous voyez qu'on a quand même progressé petit à petit, et, mais je trouvais que c'était un peu lent, donc je me disais après tout, comme interlude, comme intermède, on pourra peut-être passer à l'implant. Alors l'implant, je me suis dit, il faut commencer par quelque chose de raisonnable et de sage. J'ai commencé par deux petites cornes. Une petite corne un peu diabolique, j'ai vu ça chez quelqu'un, vous voyez que tout est très imitatif quand même malgré tout. Et alors là on m'explique, et les revues m'expliquent, et les sites que je commence à consulter m'expliquent, que ça ne pousse pas comme les fleurs, ni comme les arbres. On va de génération en génération. Bon, vous me direz que dans la vie, de passer de génération en génération, c'est logique. Mais il faut chaque fois réopérer. Alors, je dis, ah bon, bah, allons-y pour la première édition. Alors, on a fait une première édition. C'est mon voisin. J'étais comme en famille, en quelque sorte. Et j'ai dit, écoutez, si je ne me sens pas très bien, chez moi, c'est en face. Vous me ramenez. Ça s'est moyennement bien passé. Ça a été. On a passé à la deuxième génération. À la troisième génération, alors là, je me suis rendu compte qu'il n'y avait plus tellement de concurrence sur les sites et pas tellement finalement dans les autres revues. Ça, on a fait la quatrième génération. C'est là où on a commencé à m'interviewer d'ailleurs. Très mauvais signe. Et puis à un certain moment, Lucas, pour la cinquième génération, m'a dit bah, ça, c'est la première fois que je le fais. Je dis, on va le faire quand même. J'aurais pas dû. Ça a très mal tourné. C'est la fameuse fois où j'ai fait mon rejet. Alors, bon, c'est une chose qui devait arriver, qui est donc arrivée, qui est certainement arrivée à d'autres gens aussi. Jusque-là, j'avais recraché des petits anneaux de temps en temps. C'était pas très grave. J'ai même recraché un anneau là. Et alors là, c'était encore à l'époque où j'allais à Londres. Chose qui sort. Prends mon téléphone. Et le type me dit, mais c'est pas grave. Si vous voulez recracher ça, c'est que le corps le voulait. Vous allez voir, ça va se refermer comme pour une étoile de mer.
J'ai dit, écoutez, l'étoile de mer et moi, ça fait quand même deux, une différence. Il dit, non, vous verrez. Effectivement, le soir même, c'était refermé. Pour l'implant, c'était beaucoup plus compliqué. Mais là, c'est là où je me rends compte, je crois que je me répète par rapport à certaines interviews, mais allons-y quand même, c'est que la chose m'est arrivée en Suisse, et où la zone, comment dire, grise est peut-être plus importante, c'est-à-dire qu'on a opéré d'urgence. Quand je dis qu'on a opéré d'urgence, c'était fait quasiment sur la table de la cuisine. Il y a comme un désinfectant, mais enfin, c'est réinfecté. À un certain moment, je suis allé aux urgences de l'hôpital. Et en France, je ne sais pas ce qui serait passé. Moi, je suppose, et je vais vous dire, à mon avis, comment ça se passe. Quel est le salaud qui vous a fait ça? Dénoncez-le. C'est épouvantable. Ensuite, la première chose qu'on m'a dit, c'est, je travaille, il va falloir déjà parler. On m'a dit, ah, monsieur Dumont, c'est intéressant de vous voir là. Et puis après ça, ça s'est passé sans inconvénient, les médecins, tout s'est arrangé. Mais je me suis dit, est-ce que je vais continuer? Donc ça s'est réparé, la doctoresse m'a dit, c'est bien, elle m'a même dit, vous savez, le sous-directeur de l'hôpital va venir pour me poser une question. Je dis, ah bon? Elle m'a dit, oui, en fait, il a envie de voir. Il n'ose pas venir vous voir franchement comme ça, mais ça l'intéresse, c'est la première fois qu'il voit ça. Vous savez, pour... Vous, c'est la première fois peut-être que vous voyez un médecin pour une opération réelle, mais nous, un client comme vous, on n'a pas encore vu. Et c'est donc assez intéressant de savoir. Et donc tout s'est très bien refermé, et je me suis dit, est-ce que je vais continuer? Et Lucas repassait, j'étais quand même pas très content, mais je me suis dit, la première chose à faire, finalement, pour me rassurer, j'ai dit, allez, on y va l'autre main. Et il s'est rien passé, donc c'est bien. Et j'ai continué ça, on a continué avec des implants là, et j'ai continué tout ça avec une chose assez différente, c'est, par rapport aux autres gens, c'est en continuant à travailler et en faisant d'autres choses. C'est-à-dire qu'à un moment, il y a un choix qui se pose, c'est est-ce que vous allez faire partie de ce qu'on appelle une scène, die Szene en allemand, ou je signe en anglais, oui, c'est un mot très international, ou est-ce que vous allez continuer à être à part? Donc j'ai décidé d'être hors scène à un certain moment, même si je suis sur scène en ce moment, parce que je pense que c'est quand même pas un but dans la vie, c'est-à-dire que c'est intéressant, vous pouvez faire ça comme Orlan, mais je pense que ce n'est pas tout. Et on se rend compte aussi, je vous ai dit qu'il y avait du haut, qu'il y avait du bas, qu'il y avait du noir, qu'il y avait du blanc, qu'il y avait du gris. Il y a des gens qui sont dans un milieu, qui se retrouvent, c'est le cas sur beaucoup de sites internet, parce qu'ils sont ensemble et que ça les rassure, qui se retrouvent dans les conventions parce qu'ils voient d'autres gens qui ont des dos, d'autres gens qui ont des mains, d'autres gens qui ont un cou. Des gens qui ont un visage complètement tatoué, j'en connais pas beaucoup. Il y en a un certain nombre, on doit être une vingtaine, je pense, à l'heure actuelle. Mais ça a quelque chose de rassurant. Et moi, je me suis dit, on peut continuer peut-être à être hors scène en faisant d'autres choses pendant ce temps-là, en acceptant de répondre à des questions de temps en temps. Mais je crois que je suis une certaine logique, finalement, parce que je vous ai dit à un certain moment qu'un tatoueur américain a déclaré que ses clients étaient au départ uniquement des gens d'un milieu de motards et que maintenant plus personne ne l'était. Et je me suis dit, après tout ce que j'ai fait, on peut rester dans un milieu qui est le sien ou dans un milieu autre. On n'est pas obligé de vivre entre soi comme des lépreux, comme on dirait, on aurait déjà dit de manière un peu... comment dire, rocambolesque, c'est pas le mot, un peu excessive. Et je peux le faire d'autant plus que finalement cette scène n'existe plus vraiment. Vous savez, on a parlé très longtemps d'une scène homosexuelle, comme si c'était une chose absolument extraordinaire, et puis vous vous êtes rendu compte à un certain moment qu'un journal comme Guépier est disparu, parce que c'était un journal qui n'avait plus sa nécessité finalement quelque part, et qu'il n'y avait plus un milieu homosexuel, mais qu'il y en avait 2, 3, 4, 10, et puis des gens qui avaient un pied dans ce milieu-là, puis un pied dans un autre milieu. Et maintenant, je me rends compte
que pour le tatouage c'est le cas, que pour le piercing c'est le cas, et je vois, quand je vois quelqu'un très tatoué, j'entends de l'autre côté de la rue, les gens font ça, moi je fais comme ça aussi, et ça s'arrête là. C'est-à-dire, on est du même monde, comme aurait dit ma grand-mère, et en même temps on ne l'est pas, on a quelque chose en commun et on a beaucoup de choses en différent. Mettre différent, je ne vais pas faire du, comment dire, du world, tous égaux, tous différents, ce qui est la plus grande tromperie du monde. Qui... C'est bon, on continue. Donc on peut répondre à des scènes relativement différentes, finalement en se modifiant, en augmentant, en s'accroissant de volume, en faisant un effet de bulle, finalement, la scène du piercing, du tatouage, mais pas des implants, parce que les implants ne se sont pas répandus comme on le croyait dans les années 95-96, cette bulle a fini par éclater. Donc il y a des morceaux de la bulle qui sont allés partout. Voilà, moi je crois que j'ai terminé l'exposé. Vous avez le droit maintenant, un, à partir, ou alors à poser des questions. Le micro va se promener. Quel est le courageux ou la courageuse? C'est bien. Oui, non, moi je voudrais reposer une petite question par rapport aux origines un peu du tatouage. Moi je pensais que c'était aussi beaucoup pour raconter un peu l'histoire d'une vie d'une personne, à l'origine des marins. Ça, je pense que ça l'a beaucoup été. Ou voilà, le tatouage qu'on fait pour une certaine occasion. C'est-à-dire, je ne sais pas, je sors de l'hôpital, j'ai connu quelqu'un qui l'a fait, je fais mon deuxième tatouage. C'est une sorte. Mais je pense oui, que... Oui, les... de marque du temps. La marque du temps, mais je pense que c'est de... Le... Je pense que c'est de moins en moins le cas, par exemple. L'échelonnement, on peut appeler ça un échelonnement, finalement, disparaît un peu, et c'est assez grave, parce qu'il y a quelqu'un qui a dit cette chose que je trouve pas inintéressante, c'est, vous avez beaucoup de jeunes Américains qui vont très vite, en commençant par des, comment dire, des positions du corps extrêmement voyantes, les mains, par exemple, ou le cou. C'est ça, certains jeunes Américains qui disent, mais c'est kids, parce que les Américains parlent toujours de kids, même s'ils sont, ils mesurent 2 mètres et s'ils ont 22 ans, ils sont déjà pratiquement remplis à 22 ans, qu'est-ce qu'ils vont faire après? Effectivement, on a perdu le cheminement de vie dans ce cas-là. Et je pense, allez, je reviens à mon immodeste personne, que si j'ai passé un certain moment, d'abord au piercing et après ça aux implants, c'est parce que j'étais plein. C'était l'étape suivante. J'ai aussi passé, c'est comme le cinéma, j'ai aussi passé au 3D à un certain moment. Avatar, hein. Excusez-moi, bonsoir. Bonsoir. Tout à l'heure, vous avez parlé de Bugs. Vous parliez du tatoueur londonien, Bugs, Tattoo. À une certaine époque, il l'a fait en tout cas. Parce que, en fait, Bugs Tattoo, au niveau tatouage, s'est spécialisé dans le cubique. Il ne fait, pour ainsi dire, que du tatouage de forme cubique, en tout cas. Et je ne savais pas qu'il était tatoué en tribal. Ben, à moins qu'on ne parle pas du même, peut-être. Ah, d'accord. Là, il est. En fait, c'est un Français qui est installé à Londres et qui s'appelait Bugs. Bugs Tattoo. Alors là, je suis en train de dire, vous savez qu'il y a des, il y a plusieurs personnes. Lui. Horreur. Les cendres tombent sur ma tête. Je me prosterne. J'ai confondu Bugs et Curly. D'accord. Bugs, c'est le, effectivement, c'est le français. C'est, d'accord, ok. On est d'accord, oui. Voilà, Curly qui est un locatif qui a un peu disparu de la visibilité, disons, et qui petit à petit s'est fait un truc complètement symétrique. Il avait au départ des grandes dreadlocks, qui n'a plus à un certain moment. Il a passé au symétrique noir et blanc. D'accord. Voilà, je suis désolé. Mais il n'y a pas de bons journaux sans erreur. Bugs, par contre, effectivement, lui, il a d'abord commencé par faire du celtique. Après ça, il a passé à une sorte d'une chose dont je n'ai pas tellement parlé ici. C'est un peu du néo-cubique, et cubiste d'abord. Puis, une chose dont je n'ai pas parlé non plus ici, c'est des gens qui ont voulu reprendre des motifs anciens,
qui étaient des motifs de marins, mais en leur donnant une nouvelle dimension, ce qu'on a appelé du néo-traditionnel. Par exemple, en changeant l'emplacement, en changeant la dimension, c'est-à-dire qu'une hirondelle qui est comme ça, vous faites une hirondelle qui est comme ça, par exemple. C'est-à-dire, c'est la même chose, mais c'est différent. On parlerait en termes universitaires de relecture. J'espère qu'il y a d'autres questions, quand même. Maintenant, Ouais, bonsoir. Bonsoir. Je vais me permettre de tutoyer, mais qu'est-ce que tu... Enfin, quand tu exprimes le fait qu'on se tatoue de façon visible, tu as rencontré certainement des Américains qui font partie des gangs. Alors, non, personnellement, j'en crois, hélas, je rencontre des gens absolument normaux. Bon, d'abord, il y a plusieurs gangs. Il y a d'abord les gangs de gens qui sont américains. Il y a aussi des gens d'autres pays, donc il y a des... qui est des choses encore beaucoup plus visibles, qui étaient, qu'est-ce qu'ils étaient déjà, jamaïcains notamment. Non, en fait, c'est que il s'est passé un peu ce phénomène. J'ai employé un mot qui est un néologisme qu'une de mes amies emploie pour les maisons, les fermes à la campagne qu'on transforme en habitations secondaires. Elle dit qu'il y a un certain moment, les choses ont tendance à se gentrifier, donc à passer à une certaine gentry. Donc en somme, il y a des gens faussement libérés, comme moi, qui font des choses qu'ils ne devraient pas faire, ou qui... C'est le coucou, en fait. Je me suis mis dans le nid du coucou, d'un oiseau normal, mais ça n'a pas de rapport avec des gants. C'est qu'il n'y a pas de choses très visibles. Je ne sous-entendais pas du tout ça, excuse-moi de te couper. En fait, c'est juste par rapport au fait que... Par rapport aux tatouages qui sont visibles sur les visages, etc., tu parlais des kids, etc., mais cette notion de but, cette notion d'expression de ton corps au quotidien, comment tu l'envisages par rapport à des gens qui vont n'exprimer que des idées qu'on leur dicte par rapport à ça? Enfin, je sais pas si tu vois très bien où je veux en venir. Non, mais on va essayer d'y aller quand même. Disons qu'au départ... C'est moi, tout est venu d'une certaine envie. Alors, comment ça s'est passé? Le visage, ça s'est passé en plusieurs étapes. J'ai commencé par quelque chose de blanc. Donc, quelque chose de blanc. Alors, le tatouage blanc, alors ça, ne faites pas. Je déconseille formellement, ça devient jaune. Et c'était du semi-visible. Et puis après ça, j'ai eu un coup de foudre. Le coup de foudre, c'était pour quelque chose que j'ai vu au musée d'Orsay. Ça s'appelait... C'était... le moulage d'un chef maori réalisé vers 1840, et on a pu le mouler parce que le tatouage maori, c'est là, est différent du nôtre. En fait, le nôtre, il est plat, il est lisse, je peux faire ça, j'entends même comme le Dior qu'utilise Sharon Stone, ça marche, hein. Alors que le tatouage maori, en fait, a du relief. Donc on a pu faire son empreinte, et quand j'ai mis ça, c'est le coup de pouce, je me suis dit, mais j'aimerais bien avoir ça finalement, mais est-ce que je vais oser aller jusque-là? Donc j'y suis allé par petites étapes, j'ai fait le bas, comme on fait, on commence, qui en fait plutôt chez les femmes maoris, qui n'ont en fait que la partie en dessous du menton, j'ai fait ça. Après ça, il y a eu le nez, qui est une étape extrêmement douloureuse. C'est douloureux et difficile, donc ça fait mal, et ensuite on éternue. C'est-à-dire que là, si vous enfoncez une aiguille là, c'est irrépressible, vous éternuez. J'ai un système, je levais la manche, après j'allais éternuer, pour pas qu'il y ait de dérapage. Et après ça, j'ai fait le décisif, c'était le front. Et pendant toutes ces étapes-là, vous devez affronter les gens. Vous devez affronter les gens de deux manières. Vous devez affronter les gens d'abord parce que vous avez un tatouage sur le visage, ça c'est... C'est gros comme le nez au milieu de la figure, c'est le cas de le dire, surtout quand il est tatoué. Et l'autre chose, c'est que vous devez affronter les gens avec quelque chose qui est inachevé. Et ça, c'est très dur. Hein. Vous devez dire aux gens, oui, c'est comme ça, mais c'est pas comme ça. C'est quelque chose qui est en devenir. Bon, ben, vous avez plus ou moins de culot dans l'existence. Et je pense aussi que quand on ne peut plus cacher... votre attitude devient très différente. J'ai raconté quelque chose qui est un peu lointain au départ, mais qui se rapproche à l'arrivée. J'ai vu qu'il y a eu un gros accident, était défiguré là. Et pendant des mois et des mois, l'opérer, on lui disait, mais vous savez, ça va s'améliorer. Et tant qu'on lui a dit, ça va s'améliorer,
Elle n'arrivait vraiment pas à sortir et à se montrer. Parce qu'elle était défigurée. Et à un certain moment, elle a dit, écoutez, chère amie ou chère cliente, maintenant c'est fini, ça va rester comme ça, on ne peut pas faire mieux. Elle a dit à ce moment-là, je me suis dit, c'est comme ça, ce ne sera pas différent, je vais accepter, je vais sortir, et les gens vont accepter, et à la longue, les gens vont ne plus voir. Bon, je ne dis pas qu'on ne voit plus, mais c'est un peu de ça quand même. Quand vous allez faire vos courses au supermarché, vous ne pensez pas essentiellement à la tête que vous avez. Moi, je pense surtout aux actions, à ce qui vaut un peu moins cher. Enfin bon, bref. Donc, vous y allez et vous regardez les gens d'une manière si naturelle que les gens finissent par vous regarder de manière un peu naturelle. Il y a une histoire de supermarché qui vient là, il y a des gens qui cherchent du contact dans les supermarchés, il y a une fille qui dit, voyez comment il est, voyez comment il est. Puis il y a un monsieur qui se penche vers lui qui dit, j'ai parfaitement vu, je trouve ça très bien, en même temps vous allez vous taire. Ben voilà, qu'est-ce qui se passe? Rien. Je ne sais pas si j'ai répondu là-dedans, je ne sais pas si j'étais complètement à côté de la plaque, mais les plaques sont faites aussi pour être à côté. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Il y a quelqu'un qui se débrouille, oui. Et c'est un faux interlocuteur, voilà, c'est quelqu'un de la maison. Voilà. Oui. Alors Étienne, non, c'est une question, tu as commencé en parlant de ce moment dans le tramway en Allemagne, quand tu étais enfant, oui. Où tu as vu un bras, et puis après, on est rentré dans un processus, et je pense que c'est une question qu'on te pose souvent, mais tu as dit, je crois au début, que tu ne voulais pas que... C'est pas l'idée que tu deviennes une œuvre d'art, c'est autre chose, il s'agit d'autre chose, ou peut-être de ça, mais en fait, est-ce que tu sais toi-même quel est ce chemin que tu nous as décrit, et quel est le désir, vers quoi ça va, qu'est-ce qui se met en jeu? Ça n'a rien à voir avec ce que fait Orlan, ça n'a rien à voir avec ce que font les artistes, est-ce que ça a à voir, est-ce que c'est autre chose, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur, d'une certaine manière, l'intimité de ce chemin? Ou est-ce que c'est comme quelqu'un qui fait un sport ou une pratique et alors, qui veut aller au plus loin? De quoi s'agit-il exactement? Est-ce que tu le sais? C'est-à-dire que je pense que si je recommençais maintenant, je serais mieux. Parce que quand on commence sans avoir d'exemple, en fait, pratique, sans avoir vu... Maintenant, c'est assez facile de commencer en ayant vu 10 livres, en étant allé à 3 conventions... En ayant regardé les choses dans les journaux, la situation est autre. C'est que maintenant, je vis dans un monde de gens qui savent si bien que, je vais faire un petit aparté, nous sommes à la Biennale de Venise, je crois 3 biennales, je suis assis là, il y a 3 vieilles dames italiennes, j'ai déjà le même tatouage, mais en noir et blanc. Et il y a 3 vieilles dames qui regardent comme ça, il y en a une qui dit aux deux autres, c'est celle qui salue. Je ne sais pas si c'est bien ou pas, mais je peux vous dire une chose, c'est Maori, parce que j'ai vu ça à la TV. Eh bien, moi, je n'avais pas ça au départ. Donc, on ne peut pas aller... C'est-à-dire, en gros, c'est comme si on demandait aux gens de devenir un tableau alors qu'ils n'ont pas vu de toile et pas de pinceau. Le chemin était beaucoup plus long, beaucoup plus compliqué, et c'est aussi une chose qui fait... J'aime bien faire des gestes comme ça de temps en temps. Qui fait que... parce que... Il faut prouver que je peux encore bouger, hein, malgré tout. Hein. Les gens qui font beaucoup, ça c'est aussi... J'ai envie de faire cette parenthèse-là, qui est une parenthèse importante. C'est que finalement, le développement du tatouage, mais vraiment au sommet, le développement du piercing compliqué et les implants est allé parallèlement à celui de la chirurgie esthétique, de masse, entendons-nous. C'est de la modification corporelle qui n'est pas admise en tant que telle. Mais quand on vous a... bien tirer le visage, bien tirer sur les fesses, vous avez fait une modification corporelle, mais ce n'est pas admis en tant que tel. Mais cela dit, à l'heure actuelle, on dit aux jeunes brésiliennes, quel est votre plan de vie maintenant pour la chirurgie esthétique? Bon, maintenant tu as 16 ans, on va te faire le nez dans 2 ans, on va un peu te modifier les oreilles, parce que ce n'est pas très joli quand tu auras 22 ans, mais on demande aux gens d'avoir un plan de vie. Moi, je n'avais pas au départ... J'ai toujours pas maintenant, d'ailleurs. J'ai un peu procédé par envies successives, mais
j'ai un peu honte de le dire, ce sont des envies qui sont un peu imitatrices. Si je n'avais pas vu certaines choses à certains moments, je pense que je ne l'aurais pas fait. Mais est-ce que Picasso aurait fait les Demoiselles d'Avignon s'il n'avait pas vu certaines sculptures ibères et certaines sculptures africaines? C'est l'éternel problème. Hein. Et puis l'autre chose qu'on peut aussi se dire, c'est que les bonnes idées sont dans l'air. Mais elles sont dans l'air à un certain moment. J'ai peut-être commencé un peu trop tôt, finalement. Oui, je suis là. Bonsoir. Là. Ici. Ici. Non, toujours pas. Sur je me lève. Gauche. Sur la droite, pour moi. Non, sur votre gauche. Je lève les bras. Toujours pas. N'oubliez pas que je vois tout à l'envers. Donc. Je suis là. Voilà, vous m'avez vu. C'est bon. Elle est debout. Je suis invisible, ok. Non, j'ai une question. En fait, j'ai l'impression que malgré la popularisation, la démocratisation du tatou dont vous parliez, il y a quand même beaucoup de shows télé, des magazines, on voit Beckham. Il y a quand même quelque chose de fondamentalement violent dans la réaction des gens. Enfin, déjà dans le discours ambiant des médias, le tatouage reste quand même une folie. Les gens, vous parliez d'affrontement. Enfin, il y a quand même quelque chose qui, même dans les gens assez peu tatoués ou qui commencent à avoir des tatous visibles, j'ai l'impression que les gens réagissent, les gens non tatoués ou qui n'ont pas l'habitude réagissent de manière assez profonde à ça. Comment est-ce que vous analysez ça? Alors, en fait le... ça d'une manière... C'est très compliqué. Donc ça va... il va falloir oui, c'est... quelques minutes. Alors les réactions des gens sont extrêmement diverses. Elles sont d'abord diverses suivant les cultures et les pays. Ça, il n'y a aucun doute. C'est qu'en Angleterre, les gens feront un effort énorme pour ne pas vous voir. En Hollande aussi. Parce que faire une remarque, ce n'est pas convenable. Dans les pays... latin, je dirais l'Italie par exemple, qui sont des cultures de l'apparence quelque part, c'est estrano, et bello, et fantastico. On est habitué à commenter les gens qui passent. La passeggiata, c'est quand même fait pour donner des chiffres de 1 à 10 au cul des filles qui passent. Hein. Donc, dans un pays qui fait ça, un tatouage, ça passe d'une autre manière, je dirais. Ensuite de ça, je suis persuadé que ça tient fondamentalement à l'attitude de la personne qui a le tatouage. C'est-à-dire que si vous êtes assez affirmé, il ne se passera pas la même chose que si vous êtes un peu comme ça, hein, dans les angles. Ça dépendra aussi du milieu social, ça y a aucun doute. Alors là, j'ai beaucoup de surprises. Plus vous descendez, plus c'est difficile à admettre. Alors je me suis demandé pourquoi c'était difficile. Alors j'ai des hypothèses de réponse. C'est parce que beaucoup de gens, dans les milieux simples, espèrent être intégrés à quelque chose. C'est que la volonté intégrative reste encore assez profonde. Alors ce que je propose, c'est une sorte de souhait désintégratif. Alors là, si vous êtes avec des banquiers, les gens vous diront « mais c'est bien, c'est extraordinaire, c'est amusant, c'est cruel ». Ça les dérangera beaucoup moins, surtout si vous êtes dans leurs clients. Si vous vous promenez avec des gens relativement simples, qui sont aussi depuis relativement peu de temps dans un pays européen, je dirais, vous avez une population immigrée en France, qui vient plutôt du nord de l'Afrique. En Suisse, ce serait plutôt des gens qui viennent de l'Est, donc ils sont plutôt kosovars, pour eux, ou roumains maintenant énormément, pour les roumains qui sont habitués à commenter, c'est presque intolérable. Pour les kosovars maintenant, qui sont là quand même depuis une quinzaine d'années, c'est différent. Et en plus de ça, les kosovars, qu'est-ce qu'ils regardent beaucoup? Ils vont regarder des gens, au départ, des rockstars quand même, que les tatouages depuis longtemps, et maintenant les footballeurs. Alors qu'est-ce qu'ont les footballeurs? Beaucoup, je dirais depuis 7-8 ans, beaucoup de tatouages. Des tatouages, et eux sont visibles, parce qu'enfin on peut quand même pas jouer au football avec une combinaison de plongeurs. Donc ils sont habitués à en voir un certain nombre. Ce qu'il y a de regrettable, c'est qu'ils voient beaucoup de mauvais tatouages chez des sportifs, ce qui est regrettable.
se dire que David Beckham a un tatouage tellement mal foutu qu'il y a une faute d'orthographe au prénom de sa femme en hindi, moi ça me met un peu mal à l'aise quand on gagne autant d'argent. Mais alors je pense que des gens qui en pourraient, j'essaie de canaliser, qui voient maintenant beaucoup de retards avec tatouages, des footballeurs qui ont beaucoup de tatouages, ça rend la chose un peu plus acceptable. Je pense que la seule lutte, le seul combat, le seul challenge, comme on dit maintenant aussi, pour les gens qui ne connaissent plus vos défis, c'est d'essayer de rendre le tatouage normal et respectable. Ça passe moins bien. Mais cet après-midi encore, je suis accosté par une dame qui dit, est-ce que vous pourriez vous baisser? Mon fils aimerait bien voir, vous lui plairez sûrement. C'est plutôt rassurant, non? Est-ce qu'il y a une autre question? Je ne sais pas si c'est la dernière question, je crois qu'il y a quelqu'un là-bas, mais je voulais vous demander encore, c'est Jean-Daniel de nouveau. Ah oui. Est-ce que il y a un moment, vous avez achevé ou c'est sans fin? Alors, c'est sans fin dans la mesure où je vieillis. Hein. Tout le monde vieillit, même Catherine Deneuve. Donc il y a un moment où fatalement vous modifiez. C'est la modification corporelle que les gens n'acceptent pas, c'est la vieillesse. Mais ça, vous n'y échappez pas. Autrement, c'est sans fin. Oui, parce que, écoutez, nous sommes entre nous, donc je vais pouvoir vous dire quelque chose. Je suis collectionneur de tatouages, mais je suis aussi extrêmement collectionneur. Mon père était déjà très collectionneur aussi. Et c'est sans fin, la collection. Il vous manque toujours quelque chose, ou il y a toujours quelque chose de mieux. Donc, je pense qu'on peut continuer sans fin d'une certaine manière, ou alors il y a quelque chose qui est très curieux aussi. Il y a une collection que j'avais complètement abandonnée. À un certain moment, quelqu'un m'a proposé d'exposer la chose, et du moment que les gens m'ont demandé d'exposer, je me suis dit, et si je recommence? Donc il y a, vous savez, on parlait jadis des espions qui étaient des taupes, qui à l'audition d'un mot allait redevenir espion. Vous connaissez cette légende urbaine? Ben, c'est un peu la même chose, c'est-à-dire, tout à coup on voit un nouveau truc, puis, ça j'ai pas dans le fond, ça manque à ma collection, on peut y aller alors, peut-être. Et il y a un moment, bon et certainement aussi, qui est le moment contraire, c'est-à-dire j'aimerais redevenir une toile blanche. Non, pas pour être blanc, parce qu'on peut recommencer à zéro. Mais ça, je sais qu'on ne peut pas. Hein. Mais le croire qu'on ne change pas. Alors, est-ce que j'accepte le vieillissement? Non, j'accepte. Personne n'a envie de vieillir. Bon, ben, comme vous le savez, on est dans la présentation, donc je vais avoir j'ai 63 ans cette année. Ça va encore pas mal. Mais dans 10 ans, je dirais peut-être plus la même chose. Est-ce qu'il y a encore d'autres questions? Oui, moi, ça m'a beaucoup intéressé l'histoire du tatouage et l'aspect artistique des choses. La question que je me pose, c'est est-ce que vous... Et puis l'évolution que vous avez voulu donner à votre personne avec l'âge qui avance, etc. Et la question que je me pose quand même, c'est est-ce que vous avez réfléchi à votre rapport à la souffrance? Parce que de votre propre corps ou du corps en général, puisque vous m'avez dit quand même que ça faisait mal. Alors, et qu'en plus, il y a eu des phénomènes de rejet, enfin, ça peut se compliquer dans certains cas. Alors, c'est moins ennuyeux que la chirurgie esthétique grave, ratée. Mais la souffrance, oui, ça fait mal. Il y a des parties du corps qui font mal. Quand ça fait mal d'un côté, l'histoire de la symétrie, on dit que ça va faire probablement aussi mal, si ce n'est pas plus mal de l'autre côté. Ça se maîtrise d'une certaine manière. Je pense que ça fait aussi partie du défi. Alors on dit toujours, est-ce qu'on peut faire des tatouages en la bonne injection, vous sentez rien pendant 2 heures, est-ce que c'est la même chose ou pas? De certains côtés, le résultat est le même, il est probablement même meilleur,
puisque je peux vous dire que mon dentiste à l'heure actuelle fait des injections à tout le monde. Et j'ai dit, mais pourquoi je fais des injections à tout le monde? Moi, j'aurais très... Il me dit, parce qu'il y a des gens qui me mordent. Je crois que là, j'ai pas mordu de tatoueur jusqu'à présent. On apprend quand même à maîtriser un peu en disant qu'il faut être... C'est une hygiène de vie, hein, le tatouage, que c'est très dur de dire ça aux gens. Il vaut mieux pas boire, ou très peu. Devenir obèse est strictement déconseillé. Le soleil est plus ou moins interdit. Donc, vous dites, la douleur, ça se contrôle jusqu'à un certain niveau, hein, je dirais quand même, malgré tout. Et c'est aussi très personnel. Si vous êtes très corpulent, vous aurez tendance à souffrir davantage. Et vous cicatriserez moins bien, parce qu'il y aura les fameuses zones humides. Il y a eu deux fois, on a arrêté en disant, ben, vous savez, si j'ai mal, c'était toujours les deux choses-là. Vous savez, tout ce qui chatouille fait très mal. Hein, et à un certain moment, le tatoueur, il faut absolument que je donne son nom, parce que finalement, on parle toujours de moi, on ne parle jamais de lui, de pauvre, qui est resté complètement dans l'ombre, comme vous en ce moment, qui s'appelle Dominique. Il, hein, c'est un garçon Lang, comme Fritz Lang, comme et quelqu'un de très modeste, qui est quelqu'un qui n'a jamais fait de convention, qui n'a jamais fait de publicité, et qui a un salon, il est seul à l'heure actuelle, il a commencé donc par l'ouvrir à deux personnes, qui dirige depuis 1979, qui à l'heure actuelle, c'est énorme, avoir tenu 32 ans un salon, c'est gigantesque. Et tout ça pour dire, pour revenir à toi, j'ai tenu. Je ne suis pas particulièrement fier d'avoir tenu. Mais d'un côté, c'est rassurant. Parce que je me dis, s'il m'arrive quelque chose, je tiendrai peut-être relativement bien. Et quand on a dû me faire pour ça des antibiotiques, puisque je n'ai jamais rien pris, en 3 jours, j'ai fait l'évolution antibiotique que beaucoup de gens font en 3 semaines. Ça, c'est rassurant quand même, non ? Mais cela dit, je n'aime pas particulièrement avoir mal. Et par exemple, tout ce qui est suspension, vous savez ce que c'est ou bien? Donc on vous plante des crochets dans le dos, hein, et vous voltigez dans l'air. C'est une chose qui ne m'a jamais particulièrement tentée. Alors que le salon que je vois donc depuis mes fenêtres, je sais très bien que ça se passe derrière la porte. Ça se passe tellement bien que l'autre jour, il y a une suspension qui a eu du sang. Et qu'il y a une dame qui est allée se faire un piercing simple, qui a mis son sac à main. Et quand elle a enlevé son sac à main, elle s'est rendue compte qu'il y a une grosse tache de sang. Mais je ne suis pas attiré par la douleur pour la douleur. Disons que le côté danse indienne, le côté on va vous brûler au 3e degré, non, ça ne me tente pas particulièrement. Mais par contre, si on me dit maintenant, bah, vous ferez une prise de sang, je vais dire, oh, quelle horreur, c'est une aiguille. Ça va. Est-ce qu'il y a encore une question ? Oui, j'aimerais savoir si en Suisse, le tatoueur est considéré comme artiste. Parce que vous savez qu'en France, on a des difficultés énormes au niveau de l'administration pour nous faire reconnaître quelle que soit la branche. Donc, est-ce qu'en Suisse, la législation est différente ? Est-ce que le tatoueur est reconnu comme un véritable artiste ? Alors, la Suisse est un pays très compliqué, comme vous le savez. C'est un pays fédéral. Donc c'est les États-Unis que vous transposez en Europe. Ce qui est valable à Genève n'est pas valable à Lausanne. Ce qui est valable à Lausanne n'est pas valable à Zurich. Donc il faudrait que sortir 25 législations. C'est assez compliqué. En Suisse, la part du toléré du gris est assez grande. C'est-à-dire, en clair, si je vous dis, j'ai dit que je suis allé dans un hôpital, qui est dans un hôpital immense et public, où j'ai dit aux gens à côté, sur une table de cuisine, on peut s'en foutre, viens de m'enlever ça. Et si on vous ne pose aucune question, c'est que la part du gris est très grande, acceptée. C'est que la doctrine, un peu, c'est d'essayer d'éviter de créer une zone noire pour créer du blanc. C'est que pour faire du blanc, il faut du noir. On accepte un peu de gris pour pas qu'il y ait des gens qui fassent des choses clandestines graves qui pourraient porter à conséquence. On préfère qu'il y ait un tout petit peu de choses un peu semi-légales. Je dirais qu'on sait. Alors maintenant, est-ce que les gens sont considérés comme des artistes ? Alors, si on posait la question à Philippe Leu, donc le monsieur, le fils
de celui que j'ai vu au départ, le monsieur qui était à la montagne, le vieux de la montagne, qui demande un argent fou, qui est dans les revues aux États-Unis, il est clair que lui-même se considère comme un artiste. D'autres gens se considèrent comme des artisans, et certains se considèrent comme des prestataires de services, un peu comme le plombier, si vous voyez ce que je veux dire. Vous avez toutes les gammes. Je trouve... Qu'est-ce qu'une œuvre d'art ? Écoutez, je pense à l'heure actuelle, il vaut mieux une pièce d'artisanat ou de design réussie qu'une œuvre d'art ratée, qu'il n'y a aucune honte à être artisan. Il y a des gens qui font de très jolies chaises artisanales, même de très belles chaises artisanales. Donc je pense que beaucoup de tatoueurs devraient se situer dans ce créneau-là. Je pense qu'ils sont aussi devenus un peu plus des artistes depuis qu'ils ont abandonné le flash, par exemple. De prendre une planche, faire ça, reporter le contour sur la personne, je ne pense pas que ce soit un acte artistique. Oui, on est tout à fait d'accord. Bon. Dès qu'ils créent quelque chose, il y a un soupçon d'artistique. Il y a des gens qui sont plus doués que d'autres, ça me paraît indiscutable. Il y a aussi des clients qui ont des exigences plus artistiques que d'autres. Parce que quand vous faites un tableau, à l'heure actuelle, vous peignez très rarement la commande. Il est difficile de faire un tatouage qui ne soit pas la commande. À partir de là, le rapport est un tout petit peu faussé. Je ne sais pas si je réponds à votre question. Si, c'est très clair, c'est très clair. Je pense qu'il y a des infinités de nuances. Et puis, il y a des tatouages réussis et des tatouages ratés. Et il y a des tatouages qui sont des œuvres d'art au départ, mais s'il n'y a pas la technique qui fait que ça tient pendant 5 ans, 10 ans, 15 ans, vous vous rendez compte que j'ai des bouts de tatouages qui ont 30 ans maintenant. Et ça tient. Bien sûr. Donc, à partir de là, je pense qu'il n'y a pas ce petit côté artistique plus ce gros côté technique, plus le fait que je ne me bourre pas la gueule tous les jours. Ça aide, mais j'entends, je pense qu'on reste quand même, allez, du haut artisanat, comme il y a de la haute couture, de la haute coiffure, de la haute horlogerie. Est-ce que la haute horlogerie est de l'art? Ça, c'est à moi qui vous pose la question. Oui, bien sûr, moi je pense. Est-ce que la haute coiffure est de l'art? Moi, je dirais moins. Ben, vous voyez qu'on arrive à des gradations... Et je pense que c'est intéressant parce que ça vous oblige à vous poser tout le temps la question. Ce qui est intéressant, c'est en fait de se rendre compte que, je dirais, chaque tatoueur a un style différent et que ce style, donc, à partir du moment où il a un style, il rentre quand même dans quelque chose d'artistique. Je pense. Alors, il y a des gens qui ont... Alors, par exemple, il y a des gens qui ont un style qu'on leur vole. Moi, j'ai connu un tout petit type, très sympathique, qui s'appelle Yann. Il s'appelle toujours Yann, d'ailleurs. Maintenant, il est au Canada. Il avait Yann Black. Vous parlez de Yann Black? Pardon? Vous parlez de Yann Black? C'est le type qui faisait des tatouages après les dessins d'enfants. Oui, dans c'est le ça. Dessins d'enfants. C'est ça, Yann Black. Voilà. Alors moi, je l'appelais Yann, parce que je le connaissais sous ce nom-là. Et il a créé quelque chose qu'on lui a un peu volé quelque part, parce qu'il y a des tas de gens qui l'ont imité depuis. Ah, oui, exactement. Alors lui, c'est l'artiste. Oui, tout à fait. Est-ce que les Lionel de Nantes, je pense qu'il est encore l'artiste? Puis au-delà? Je ne suis pas d'accord. Est-ce que c'est encore des artistes? Je ne sais pas. Ah, je pense que de toute façon, c'est un problème. Évidemment, si on le prend comme ça, ça va être individuel. Mais il y a bien un moment où il faudra quand même décider de savoir ce que sont les tatoueurs. Oui, aussi. Mais ce que j'aimerais pas, c'est par exemple, quand on arrive à tous les copyrights possibles, si on copie le motif de quelqu'un d'autre, est-ce que c'est très grave ou pas, au moment qu'on le modifie un peu? Ben, c'est pas bien. C'est très délicat, hein, j'entends jusqu'où on veut aller. Si on veut garder un monde relativement libre, je ne dis pas libertaire, mais libre, moi je pense que certains tatoueurs sont des artistes, que certains ont un style. Écoutez, le mien, donc, il n'a aucune prétention à être un artiste. De temps en temps, il y a un petit téléphone de la police en disant, ben voilà, on a quelqu'un, il y a un corps, quelque part, qui est mort d'une manière naturelle. On ne sait pas très bien qui c'est. Le tatouage, ça vous dit quelque chose, ou ça vous dit quelqu'un. Et je trouve que de pouvoir identifier, comment dire, le mort grâce à ça, non pas grâce au motif, mais par la manière dont le motif est tracé, je pense que c'est intéressant. Mais, alors maintenant, la grande question, l'art, c'est quoi ?
C'est une TVA 5,5 au lieu d'une TVA 19,6 pour les Français. Je propose qu'on en reste à ce point d'interrogation. Si vous voulez parler avec Étienne Dumont, vous pouvez le retrouver, s'il le souhaite, en bas, dans le hall du théâtre. Voilà, j'espère que je ne vais pas trop ennuyer. Donc, je vous signale que nous avons tenu 1h03. Voilà.